Le ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, l'agronome Carmel André Bélia, qui a gagné avec plusieurs cadres dans le ministère, fait une visite mardi 19 décembre dans l'école moyenne agricole dans la vallée de la Tibonite et Mava. Objectif visite ça, c'est pour garder dans quel niveau travail réhabilitation qui commençait dans l'école là avancé. Le reportage de Chatson Joudan a présenté nous. C'est firme Sokaye qui a exécuté le travail de réhabilitation de l'école moyenne agricole Vallée la Tibonite et Mava. Pour garder l'état avancement travail, le ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Carmel André Bélia, fait une visite mardi 19 décembre. Il y a près de 6 autres bâtiments, plus nous fait clôture là, que c'est un bagage qui était pour un peu de ressources pour nous mettre plus ou moins construction en sécurité. Travail réhabilitation ça entraîne dans quatre visions président République là Jovenel Moïse qui voulait pour jeunes garçons ak fi gen zouti au soir métier nan men yo pour aider tête yo d'après ministre Carmel André Bélia. Ça fait partie toujours de mise en œuvre feuille de route là. Nous gagnons en pile et carence technicien à niveau moyen. Comprendre après que nous avons pile agronome, grand pile faculté d'agronomie. Tout dernièrement, nous avons fondé nombreusement, nous presque dépassé 26 à travers le pays. Et nous avons très peu de cadres intermédiaires. Et c'est une façon tout pour nous encourager jeunes à retourner vers la terre et adresser problème migration vers Amérique latine, Chili, Venezuela, Brésil, etc. Toujours d'après le ministre de l'Agriculture, processus d'inscription pour jeunes doit lancer dans le mois de janvier Cap Vinian. Et une façon pour l'école là capable de commencer à fonctionner dans le mois de mars 2018. L'école là, il peut accueillir 45 étudiants. Donc étudiants, ça a bien pu passer près de 2 ans et demi là. Agricole, on a orienté vers la mécanisation agricole parce que distance pour mandat, président Jovenel l'a fini, au moins pour capable de gagner près de 2000 tracteurs qui ont circulé, qui ont travaillé dans la vallée. L'école moyenne agricole Vallée la Tibonite là, EMAVA, fondée dans l'année 1984. Il a déjà mis des promotions sur le marché du travail. Là. 16 millions de gouttes, c'est la quantité de l'argent du gouvernement a décaissé pour faire travail, réhabilitation et MAVA. Paysans la Tibonite ont bénéficié de divers matériels pour abourer jardin. Initiative ça rentré dans le cadre caravane changement, président Jovenel Moïse mettait sous pied pour remembrer agriculteur pays a adressé divers lots de problèmes paysans ont fait face. Yon geste paysans au salier qui pral faciliter yo augmenter quantité terre te kon travail et puis ça cap augmenter production d'iria en pleine la Tibonite. Yon extrait dans micro Anne Marguerite Auguste avec Pierre Henri Duvigneau. Moi très jamais content parce que du fait que ou bam yon rêve qui ka réalisé parce que moi-même m'te gen plan pour m'te parti qui plan m'te gen m'te parti m'te gen plan m'te parti ti tem de gen m'te vendi pour m'ta chili mais moi c'est ça me fait c'est agriculture me fait agriculture me fait moi-même toute sorte a di yo chaque grain parle ou te dit yo marcher ensemble yo fait effet dans comme et ni pour madame moi ni pour petite moi jodi a moi surtout merci et c'est ça ou commencer offrir nous mais c'est pas un contentement nous ko joindre déjà mais nous commencer c'est pas un commencement pas un finissement moi dou merci président moi pas chambre bouquet dou merci mais journée jodi a bon dieu roi un prophète saute dans ciel la crélé Jovenel Moïse qui vient pour délivrer nous président Jovenel nous remet m'a chanter pour vous pour ça moi qui commencer fête là moi vle ouais président Jovenel a mené quand un héros sous Haïti président Jovenel pour bénir Théa, à qui on bagaille cap mené dans le ciel. En nous marcher, en nous avancer. Avec président Jovenel, pays a développé. Peuple a tout prêt pour nous. Paysan yon remè yon, yon content parce que yon yon wap travail pour yon. Merci en pile parce que moi yon sous développement content avec yon. Félicité président Jovenel et par rapport avec tout Jifol la fait. Nous allons pencher beaucoup de paysans. Et c'est paysans qui ont goûté plus pour lui. Car les gens qui sont en ville, mais c'est paysans dans le milieu rural qui ont goûté pour lui. Et nous, la bataille, ça, nous ne pouvons pas faire en vain. Et moi, je ne regrette pas de faire un seul coup de clé. Je vous dis, nous voyons beaucoup de chapeau pour le président Jovenel. Jean commence à partir avec les paysans. Parce que côté nous camper là, zone ça, les zones D. Nous avons peut-être canal Figo là, c'était un plus gros problème. Je vous dis à moi, il y a une intervention qui a fait sur lui. Nous avons des problèmes chari, commencer à une intervention qui a fait. Je dis président, ça fait pile attention pour que la Tibonite ait
non seulement n'attendni sous canal yo tout nous gè des bagages pour nous dire n'a dit lui de près parce que nous t'al goumé pour nous te voter l'était dans campagne nous te connouel journée jour d'assil sous canal il faut nous kawel pour nous bal moyo. Ça veut dire la bien avancé là, il faut lever pour mauvais gens qui pas gâter caravane nan amen. Parce que plein go naïve, tout le monde qui effondre lui nous connaît. Tout le monde qui cause pompe nous jaoy nous connaît. Et journée jodi a nous go chef toujours. Je pour que j'aime arriver sous nous. Moi tout le connaît même pas connaît du monde. Et ça fait l'aime dal français le coup de kem pas faire nèg moi même. Dal faire depuis président fin chef moi chef. Chef pour me parler vérité. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a annoncé que le gouvernement prend toutes dispositions pour faire fin d'année en bien passé. La police mobilisée pour bailler sécurité, il y a un travail nettoyage qu'a fait dans la zone métropolitaine non, à Cresville, province. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Ulbrich. Sécurité à travers les rues. Ensuite, nous avons tout un ensemble d'activités culturelles qui va le faire, non seulement au niveau de Champ de Mars, mais au niveau des grands quartiers de Port-au-Prince. Côté que nous avons une ambiance pour nous, ça permet des activités économiques tout faites dans la zone Zayo. Et respect, bien sûr. Donc, nous connaissons que la rue en salle, mais nous commençons à agir sur les. Ma mesure pour nous dire nous que nous prenons disposition, ce n'est pas une opération coup de poing à faire, mais c'est une opération qui peut plus ou moins structurel avant que nous venions à un bagage qui est plus définitif. L'autre information dans le journal ça, commission est spéciale sur amendement constitution. Rencontré mardi 19 décembre avec plusieurs anciens premiers ministres. Chita Palessa qui réalisé dans Pétionville, c'est occasion pour ancien chef gouvernement Sayo, by Dizonyo, sur amendement qui doit être fait dans la constitution. Dans le cas d'échange, ancien premier ministre Sayo expliqué le problème qui a fait face, les yoté dans la tête gouvernement en Haïti, et puis proposer ce qui doit être fait pour rendre la loi pays à plus correct. Il y a un extrait dans le micro de John Herbie Casseus et Rémi Godjit. Ils ont parlé avec la commission, ils ont expliqué nous même comme chef gouvernement, comme premier ministre, mais qui problème ils ont rencontré pour diriger le pays. Mais qui problème qui gagne, ils ont dirigé le pays et que la constitution est capable de prévoir une série d'articles qui sont obstacles à la bonne gouvernance. Donc nous-mêmes dans la commission, nous comptons en pile parce que le dialogue national a continué, la concertation nationale a continué. Nous connaissons que jusqu'au 31 décembre 2017, nous avons rencontré à tout secteur. Demain, nous avons rencontré avec la Fédération nationale des AZEC. Ensuite, nous avons rencontré avec la Fédération nationale des CASEC, même jour. Après ça, c'est le secteur populaire que nous avons commencé à rencontrer jeudi. Donc nous-mêmes, nous déterminons au niveau de la commission spéciale sur l'amendement constitution pour nous faire un travail sérieux, pour nous faire un travail honnête, pour nous faire un travail transparent. Nous avons quelques anciens premiers ministres qui disent que ils ont des gens inquiets, que pas gagner des intérêts cachés, des mains cachées, des secteurs cachés derrière. Et décision pour nous avancer vers un amendement constitutionnel. N'a dit non, n'a dit que commission ça avec toutes 9 commissaires qui ont siégé, il y a Haïti d'abord comme priorité. N'a dit nous pas gain aucun autre boussole, aucune autre ambition que aller vers un amendement qui pour faciliter gouvernance pays. Proposition amendement fait pour sortir en pays. C'est pour ça que nous pour aller sortir un rapport que nous avons un rapport d'étape. Rapport d'étape ça depuis le sorti, n'a prend nous allons faire une tournée nationale dans tous 10 départements. Et après consultation nationale, ça seulement, nous allons mettre un rapport définitif. Est-ce que nous prenons tout ça qui baille là en considération? Je suis capable de dire à 90% oui, parce que nous gagnons un exercice d'arbitrage que nous avons obligé de faire tout. Ça veut dire qu'il y a des propositions qui sont faites que nous ne pouvons pas accepter. Mais il y a des propositions tout que nous ne sommes pas capables d'accepter. Lorsque 9 ou 10 anciens premiers ministres, Chita là, et ils sont tous d'accord sur une série de bagailles qui pour changer, pour améliorer le fonctionnement de la Constitution, est-ce que la Commission a spécial amendement capable de dire qu'elle ne peut pas tenir compte de ça? Je ne sais pas qu'on a fait comme ça. Donc, moi, c'est son petit patience que nous avons des sociétés, pays à la presse, nous avons une date, c'est 31 mars 2018. À date ça, nous avons tout rendez-vous avec une proposition d'amendement. On recommande un amendement qui sort ici dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Toujours sous même dossier, ancien premier ministre Evans Paul félicité l'initiative commission et spéciale sur l'amendement constitution en prend pour Chita parler avec ancien chef gouvernement. Yo. Ancien premier ministre l'a fait connaître, c'est normal pour tout secteur dans la société, bah, disons yo, sur ce qui doit inscrit comme loi dans la constitution. Li proposé pour créer la priorité dans la constitution amendée. Nous invitons à suivre un extrait. Nous tous parlons créole. C'est une langue qui m'a connu ici ensemble.
mais ou créole là nous pas l'embarrasser, mais document officiel yo fait en français et document officiel yo fait pour qui ça? Yo fait pour défendre intérêt peuple haïtien, majorité peuple haïtien, mais tout haïtien parle créole. Pour qui ça? Document officiel yo pas fait en créole, ça fait me proposer un amendement que nous établir une hiérarchie dans question de langue officielle là. Faut nous dire créole première langue officielle, français deuxième langue officielle, pas dire retirer français parce que nous besoin français comme langue internationale, même gens tout le monde a liberté pour parler anglais, parler chinois parce que langue sont outils de communication et langue dans important pour connecter moun ak moun, mais langue fondamentale pour faire société avancer les relais créoles. Moi-même, en 1987, moi ton dissident de constitution 1987 là, moi pas de voter. Et me dit un rare monde comme militant politique qui pas de voter. Et me t'expliquer pour qui ça. Et là me dit pas de voter là, c'est pas moi-même seul. Et qui de parti me fait partie là, t'es déjà existé pas comme parti mais comme organisation de base. Nous t'es ouais t'es grand pile incohérence, t'es grand pile contradiction dans la constitution. Commission travaux publics chambre députés a parlé mercredi 19 décembre à premier ministre Jacques Guy Lafontaine accompagné directeur général Conseil national télécommunication Conatel Jean-David Rodney. Rencontre ça inscrit dans cadre suivi dernier chita parlé parlementaire été fait avec chef gouvernement sous mauvaise qualité service compagnie téléphonie mobile à bail population. Député au programmé yon l'autre chita parlé pour 18 janvier pour joindre une solution à problème ça. Yon extrait dans micro Fedner confident avec Maurice Wilbridge. Nous avons des investissements faits dans 3G qui saturé, qui ne permettent pas que les gens jouent un service. Donc, si nous allons passer dans 4G, je veux dire qu'il n'y a aucune compagnie sur le territoire national là, qui gagne et comme c'est une licence d'exploitation pour agir sur 4G. Donc, quelque soit compagnie, nous pas gagné. Et récemment, nous avons regardé une compagnie qui a fait une conférence de presse. Faut à dire question. Perdu minute là, son bagage qui va exister. Faut dire que le problème couverture internet là, que vous pas fait dans le pays, va exister. Faut dire que là, on m'a pris le téléphone, on est devant mon là, mon bagage, on a fait dire ça va exister. Nous, on compagnie pas rentrer, non, opération de communication. Donc, nous-mêmes qui là, nous c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif est là. Donc, nous engager nous ensemble pour nous avancer. Et ça fait nous dire directeur, il faut qu'il fait très attention par rapport à ensemble des décisions qu'il a faites. Nous connaissons des négociations qu'il a faites avec compagnie de téléphonie mobile. Il y a des propositions sur la table côté a demandé des licences d'exploitation pour 15 ans. Au niveau du gouvernement ou bien au niveau du Parlement haïtien, nous-mêmes nous clairs, pour le ministre là, c'est le premier monde sous table qui dit va d'accord. Donc nous-mêmes, nous sommes dans une situation de monopole là. Donc nous continuons de travailler. Donc, bon ensemble de documentation nous demander. Par exemple, comme qui suppose rentrer dans la question et si taxe au prince sous minute 5 centimes au aujourd'hui et Conatel pas gagné aucune technologie qui permette lui comprendre que sa compagnie au Balia c'est exactement ça au fait. Nous avons une réunion avant et puis nous avons une réunion aujourd'hui, mais nous n'avons aucun document en main pour nous capables de présenter par honorable député. Donc d'ici un mois, nous pensons que nous remercions le Parlement d'être que Liban nous opportunité ça pour nous cabiner avec documents et avec documents ça, nous sommes capables de discuter pour nous voir qui côté problème là et qui solution nous déjà joindre à problème ça. Gagner des contacts qui fait déjà et nous pas tellement satisfaits de contacts ça. Nous avons l'autre rencontre que nous allons organiser pour nous capables de gagner, n'est-ce pas vrai, pour nous sentir nous beaucoup plus confortables. Comme dis-nous que réunion ça cap fait là, est très important pour nous au niveau du gouvernement de la République. C'est le Parlement a exercé une prérogative que le gagne qui c'est contrôler les actions du gouvernement. Jodian, il a parlé par exemple de Petro-Caribé. Si que tu as gagné un contrôle qui était fait à l'époque, nous ne pouvons pas parler de ça. Et nous voyons que dans la dernière intervention que le président de la République dans l'Ibaï, il dit que la corruption, c'est d'abord la prévention. Donc c'est prévention qu'on a fait là. Ministre Kilti à communication Limon Toussaint présenté mardi 19 décembre
Comité cap gen pour organiser carnaval national 11, 12 et 13 février 2018 cap vini là. Comité ça composé comme ça: Claudel Dumas président, Jean-Michel Lapin vice-président et puis responsable finance, Andy Durosier secrétaire général, Nancy Carrara représentant la présidence, Fred Lizère responsable animation musicale, Albert Chancy co-responsable animation musicale, Emily Prophète responsable communication, Maël David responsable artistique, Yves Penel co-responsable artistique. L'autre dossier dans le journal ça, c'est Rose Josué, deuxième co-responsable artistique, Ditni Joan Raton, membre et puis Alexandra Oriol, membre. Mandat comité ça à bout 31 mai 2018, ministre Kilti en fait connaît, pas bien chirépit entre comité carnaval national là, comité carnaval mairie Port-au-Prince là. Président comité carnaval national là, Claudel Dumas, sous Bopal, Bali li promet yo pral travail pour vendre yon bon image Haïti à travers carnaval là. L'autre dossier dans journal ça date 22 décembre toujours Kimbé pour funérailles Mano Charlemagne. C'est ça directeur général ministère Kilti Jean-Michel Lapin fait connait mardi 19 décembre. Nous invitons suivre yon extrait dans déclaration. Travers ministère Kilti a offrir un podium libre sous coordination Fred Lise. Funérailles là c'est vendredi matin. Pas grand exchange la dernière. C'est encore sous kiosque Occidianti. Funérailles Mano Charlemagne a chanté. Funérailles officielles Mano Charlemagne a chanté. Et après, la direction commune Verrette. Zami téléspectateurs, c'est là qu'on prend deuxième pause dans le journal. Nous invitons à être branchés et nous retourner dans un autre petit moment. Ministère éducation nationale avec tout partenaire yo fait mettre campagne un programme qui relé l'école zami l'hygiène. Mes critères yo l'école doit respecter pour l'état reconnaître c'est l'école zami l'hygiène. Faut que la cour l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour avec en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit à pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école la doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traitée pour élèves yo boue. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école la doit gagner tout yon clip santé kap veye sou propreté en dans l'école la et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté ya. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon lot bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zanmi l'hygiène, c'est BID qui finance l'. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Dans l'actualité internationale, le Sénat américain a adopté la réforme fiscale administration Trump-Lan à Yamadi 19 décembre 2017. La. Réforme fiscale là qui c'est une promesse campagne président Donald Trump a rentré en vigueur à partir l'année 2018. Nous invitons à suivre un reportage. Réforme fiscale américaine franchie mercredi 20 décembre nan, étape décisive Sénat qui ouvre route pour une victoire politique qui est importante pile pour président américain. Sénat a adopté réforme fiscale là mardi 19 décembre 2017 là avec 51 voix pour 48 comptes. Réforme fiscale là, c'est une promesse campagne président américain Donald Trump. Démocrates qui opposaient à l'adoption réforme fiscalité a parlé des trois articles minés qui violent les règles procédures sénatoriales là, parmi les articles sénateur conservateur Ted Cruz qui t'a autorisé par an qui paye l'école petite yo la caillou profiter avantage fiscal normalement qui réservé à enseignement supérieur. Deux chambres congrès a dû adopter texte ça, chambre députée a dû voter mercredi 20 décembre non. Texte final là, Congrès après le transmettre par le président américain pour Sinati, c'est un compromis entre version adoptée chaque chambre dans le mois novembre et décembre. Réforme ça doit rentrer en application à partir 2018 pour toute entreprise et particulier. Toujours dans l'actualité internationale, la chef diplomatie européenne Federica Mogherini exprime soutien à Premier ministre libanais Saad Hariri mercredi 20 décembre 2017. La décision chef diplomatie en prend après retour Premier ministre dans le pays Liban. Suivez un reportage.
Deux semaines après retour Saad Hariri dans Liban, chef diplomatie européen Federica Mogherini tamé en visite dans Liban dans objectif pour porter soutien à ministre libanais qui était démissionné 4 novembre passé et puis retourné sous décision 5 décembre. Chef diplomatie européen assuré premier ministre là soutien une façon pour calmer tension qui gagne dans région. Poser la question sur rapatriement réfugiés syriens yo, Federica Mogherini évoquait possibilité une solution politique. C'est en total 1,2 million Syriens qui prennent refuge dans le Liban, sous 6 millions habitants pays à gagner dans le Liban. Une situation qui représentait un gros défi pour l'autorité.